Salut salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin, ma fameuse vidéo où je vais customiser mon agenda et mon planeur de maîtresse. Oui oui oui, hein, ça fait déjà un mois que je vous dis que je vais le faire et j'ai rien fait. Je suis partie en vacances entre temps. Donc là, étant donné que je suis un peu motivée, je vais le customiser avec vous, commencer à le remplir pour me mettre dans le bain de la rentrée et tranquillement me remettre dans les activités de l'école. Et puis moi, je vous avoue, je sais pas si vous aussi c'est pareil, mais j'adore préparer, customiser mon agenda pour la rentrée. C'est une sorte de petit truc en douceur là qui fait plaisir, et d'avoir un truc un peu décoré, ça fait toujours 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 plaisir aussi pour la rentrée. Donc let's go pour le customisation, le plan with me, professeur des écoles. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous montrerai de plus près tout ce que j'utilise dans cette vidéo, comme ça bah ça vous donnera des informations, et je vous mettrai tout dans la barre d'infos si je retrouve les liens. We'll be right back.
Mon planeur est customisé pour la rentrée. J'ai pas évidemment tout customisé, mais j'ai mis un petit peu de décoration à l'intérieur. J'avais vraiment envie de mettre une jolie présentation ici puisqu'il était un petit peu abîmé. J'adore cette feuille, elle est vraiment belle. Bon, voilà, ici j'ai un petit peu décoré. Vous avez vu, hein, j'ai rempli mon calendrier. D'ailleurs, j'ai continué à le faire même hors caméra, à rajouter les créneaux piscine, etc. parce que j'ai retrouvé les dates. J'ai aussi commencé à bien remplir mon planning du mois. J'ai rajouté un petit intercalaire ici. Je ne sais pas si vous le verrez, avec écrit programmation et cahier journal. Donc là, je vais rajouter mes programmations. Et comme ça, paf, on accède directement au cahier journal. J'ai fait donc ma fameuse to-do list pour la rentrée. Il me reste quelques petites choses à faire. Donc ça, je vais m'en occuper là dans ces jours-là. J'ai mis aussi en place le défi lecture, parce qu'avec mon collègue, on fait le défi lecture cette année, comme tous les ans. Mais du coup, j'ai la liste des livres qu'on va devoir lire avec mes élèves. Et puis après, il me restera plus qu'à mettre mon cahier journal pour la rentrée. Ici, c'est une liste pour pointer un petit peu les assurances de mes élèves, s'ils ont des lunettes, s'ils ont bien rendu leur fiche de renseignement, s'ils ont un PAI, s'ils ont bien leur autorisation de photo, etc., s'ils vont en APC. Donc, c'est vraiment une liste, je vous la mettrai sur le drive si j'y pense, mais c'est une liste voilà, pour pointer un peu toutes les infos qu'on a en début d'année et qu'on a tendance à oublier. À la fin du planeur, j'ai mis les fameux intercalaires de Marina que j'ai acheté sur son site là, qui vont permettre de retrouver. J'ai pas mis en haut le titre. Je vais voir si je les rajoute ou pas parce que je me dis que l'année prochaine, si je veux les réutiliser et que je change ma méthode, je vais peut-être pas les personnaliser tout de suite. Je vais voir, hein, je vais y réfléchir. Donc j'ai mis le premier intercalaire sur suivi des élèves, le deuxième intercalaire sur suivi administratif et le troisième petit intercalaire sur la fin où il y a les pages de notes. Et je pense que je vais rajouter des pages après, c'est pour ça que j'ai mis là. Donc j'ai mis les petites pages de notes aussi de Marina, pour au cas où j'en ai besoin à l'école. Et j'ai fabriqué, vous l'avez vu en vidéo, une pochette comme ça, où vous pouvez mettre tous vos documents, que ce soit des documents donnés par les élèves. J'avais aussi envie de mettre souvent l'argent qu'on me donne en début d'année. Vous savez, des fois on nous donne des chèques pour la coopérative, je sais jamais où les mettre, ça me casse les pieds. Donc là j'ai fait une pochette plastifiée, à la plastifieuse, donc qui est un petit peu plus rigide qu'une pochette traditionnelle et qui est plus jolie. Hein. Regardez, j'ai mis des feuilles d'or à l'intérieur, donc c'est sympa. Donc voilà, pour ma petite personnalisation de planeur, cahier journal, j'ai plus qu'à faire mon emploi du temps de la journée de la rentrée, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'espère qu'en tout cas ça vous plaira. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu fun, un peu sympa. Et voilà, après j'ai pas décoré l'extérieur, hein, mais pourquoi pas une prochaine fois, on verra. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous trouvez le résultat très sympa. J'ai adoré le faire avec vous, j'ai trouvé ça cool, je trouve ça sympa aussi de customiser ensemble. Si vous le faites vous aussi ou que vous l'avez déjà fait, hein, n'hésitez pas à me partager tout ça sur Instagram, vos photos de vos planeurs ou de vos agendas de prof pour voir un petit peu, ou vos agendas de pas prof, hein, si vous n'êtes pas prof et que vous avez un agenda et que vous avez envie de le customiser avec moi, montrez-moi tout ça en message privé ou sur Instagram en me taguant, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. On n'oublie pas de liker et de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez bien aussi ce genre de petites vidéos. Bisous.